Téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, bienvenue dans l'émission pour la Haïti 360. Mois d'octobre, c'est un mois qui est important dans la vie pays. C'est un mois qui marquait une nouvelle année fiscale, mais c'est moi tout qui marquait l'ouverture au tribunal, le lancement de l'année judiciaire là, dans le pays d'Haïti. Même j'en avec chaque année, audience solennelle, c'est lui-même qui lançait gros événement ça, ouverture tribunal, le Jean d'Abdoula. Là, il y a un président de la République, là, président de la Cour de cassation, qui en même temps président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, là, et puis, bâtonnier l'ordre des avocats, qui lui-même tout intervenu dans l'événement ça. Dans l'idée, non seulement pour faire bilan, mais pour faire toutes les projections sur Annick Pralvinio, pour voir qui Jean, il est capable de remembrer le pouvoir judiciaire qui est excessivement important dans le fonctionnement du pays et dans le fonctionnement de l'État d'une manière particulière. Année ça, même avec chaque année, bilan est fait, projection est faite, mais en dans toute discussion, en dans tout discours qui est fait pendant l'audience sur l'année, ça, un élément fondamental qui sorti, c'est que le pouvoir judiciaire là, son pouvoir qui est malade. Gagner des dispositions que doit prendre pour redresser lui, pour permettre que non seulement une réforme qui fait la donne, mais pour mettre le campé sous deux pieds, parce que pas qu'à la démocratie, pas qu'à l'état de droit, sans un pouvoir judiciaire qui a bien marché. Nous regardons ça que tu dis en audience solennelle ça avec un élément en dans système que nous gagnons avec nous sur plateau comme invité que m'a invité au venir découvrir ensemble avec nous tout de suite après pour ça. Juge et juge d'instruction Rwando Saint-Villiers, c'est lui-même qui ensemble avec nous sur plateau comme invité en émission pour la Haïti 360. Côté nous pour continuer à faire, j'en ai toujours fait chaque soir, promotion connaissance utile, promotion connaissance éclairée. Juge Saint-Villiers, bienvenue dans Haïti 360. Je vous salue et c'est un plaisir pour que Aswe Amkab participe dans Haïti 360. Promotion connaissance utile avec information éclairée par Jean Mkampé en émission pour là et nous toujours dire ça. C'est une raison à souhaiter nous prenons mettre un accent particulier sur l'audience solennelle qui a été faite et journée aujourd'hui en cours cassation pour nous faire clair mais qui Jean et pouvoir judiciaire a été fonctionné dernière année qui s'est passé là et qui ça qui prévoit pour permettre que pouvoir soit capable plus efficace dans la distribution de la justice et permettre tout que la démocratie soit capable de vivre plus bien en un pays ensemble avec l'état de droit ça. Que nous-mêmes nous toujours prôner en dans l'émission ça et en pile monde tout attend dans le pays là li capable vivre une réalité tout bon. Juge et Sévillier, 10 populations pour qui ça est l'eau, juge et juge d'instruction à la fois pour nous commencer d'une manière didactique parce que l'émission ça a une vertu didactique pour la donne. Ok. Donc, juge et juge d'instruction, c'est parce que dans le système, dans le tribunal de première instance, gagner de juge qui l'a pour siéger dans audience civile, audience pénale, que ce soit correctionnelle ou bien criminelle. Et le ça, ou tout téléspectateur, quand on voit Mounzaïo, il a gagné, juge l'a gagné en robe sous lit, en robe noire, et puis il a gagné un chapeau qui sont toc et noir qui est dans la tête. À ce moment-là, c'est le juge. Et dans l'attribution de juge l'a, en matière pénale, il a pour déclarer innocence mon nom si toutefois pas gain preuve. Si gain preuve, il a déclaré culpabilité mon nom et peine que mon nom doit recevoir et subir pour infraction qu'il doit commettre là. Si c'est une affaire commerciale, si c'est une affaire civile, il peut reconnaître que mon gain tel droit. Que ou te gen prétention sur lui que droit ça aller fondé gen tel demande côté fait demande là aller fondé si c'est un droit de propriété et qui te gon action revendication la va reconnaître que c'est tel monde qui propriétaire si c'est un pont dette par exemple la va reconnaître que eh bien c'est peut-être action fondée ou pas là c'est le juge qui siège et juge ça le mandat pour 7 ans le tribunal de première instance maintenant en cours d'appel ou je même juge ça auto siégé. Sauf que dans le tribunal de première instance, c'est un seul, mais dans le cours d'appel, c'est un collège de 3, dans le cours de cassation, il est capable 5, il est capable 7 et même plus. Mais comme juge d'instruction, c'est une autre tâche que même monde qui juge dans le tribunal de première instance, il est capable de faire une tâche comme juge d'instruction, mais cette fois-ci pour mener enquête. Enquête sur des cas de crime, qui est capable de crime de sang, comme assassinat ou bien meurtre, qui est capable de toute l'autre forme de crime. Et il y a enquêté sur eux, probablement pour capable joindre auteur,
co-auteur et complice qui est à impliqué donc dans commission infraction. Donc comme juge d'instruction, il n'est pas prononcé l'innocence ou bien la culpabilité. Lorsque je viens indice à ce moment-là, la pral déclarer mon la pral déclarer que gain indice grave et concordant contre inculpéant, la voyer devant tribunal. Si c'est pour un crime de sang, c'est devant tribunal criminel avec assistant de jury. Si c'est un crime qui pas un crime de sang, c'est tribunal criminel sans assistant de jury. Si c'est un délit que l'estime que lié, c'est devant tribunal correctionnel. Mais si toutefois pas gain indice ou bien ça mon n'en fait assez pour infraction parce que la loi pas sanctionné ça, à ce moment-là juge là a rendu ordonnance de non-lieu et l'a voyé mon hors des liens de l'inculpation. Alors il y a un élément n'aime préciser pour téléspectateurs qui regardent nous là. Juge d'instruction lui-même qui mène enquête là, il pas gain droit attendre cas en notre tribunal là, c'est ça. Non, et il des cas, mais sauf que et en matière pénale, cas juge là pral tande et moun ki juge juge d'instruction, le pral juger, li pa juge cas que le mené enquête. Donc sou instruit ou pas ka tande. Non, sou instruit en dossier ou pas ka tande, ou pas ka juger li. Ou ap juger de l'autre dossier que l'autre collègue juge d'instruction instruit. Et lorsque dans salle d'audience tant côté ko ap juger, le ça c'est pas le juge d'instruction, c'est le juge. Mais dans cabinet côté dans le cabinet d'instruction, ou recevoir inculpé témoins et tout le monde que doit attendre dans cadre dossier, et cette fois-ci on pas porter robe noire là, on pas porter toc là, ces gens ou mis là droit bien dans cabinet d'instruction, sont lieu qui fait un pile monde peur parce que quand même et juge d'instruction yo au regard de la loi yo a des pouvoirs je dirais considérables. Donc et là c'est ça donc le travail du juge d'instruction au niveau du cabinet. Alors tout à l'heure on dit c'est sur des cas de crime, les capables de délit tout, mais ce sont des délits complexes. À ce moment-là, juge d'instruction va faire enquête li. Donc les pas dit sont coupables, les pas dit sont innocents. Là prend une ordonnance de non-lieu ou bien de renvoi, tout dépend si il y a un indice ou bien charge contre. Alors et son bel traversée que ce fait là, parce que je pense que c'est nécessaire pour le public là qui regarde nous là, et ben il y a une idée de qui j'ai un tribunal de fonctionner et chaque élément dans le système ça qui ça a gagné comme tâche et là où se tendait et qui ça juge ou gagné comme tâche, qui ça juge d'instruction ou gagné comme tâche, peut-être on le et ben na chita sous question rôle commissaire gouvernement qui sont éléments fondamental en notre système judiciaire là, surtout en tribunal première instance, les mêmes qui sont pratiquement j'en dire défenseur de la société et mettre action publique là, parce que c'est les mêmes qui là pour mettre action publique en mouvement contre monde qui violé la loi en un pays. Mais nous allons tomber dans maman cause et chaque année dans époque ça, c'est toujours indépendance pouvoir judiciaire qui se discours à la mode là. Malgré mise en place CSPJA il y a pratiquement 5 ou 6 ans de cela, eh ben nous avons l'impression que indépendance ça pour jamais qu'a fini consacrer Jean pile monde a espéré. Jodi a un élément qui marque tout le monde qui t'a gardé au dire solennel là, c'est état des lieux ça qui carrément acerbe que nous fait de pouvoir judiciaire à côté et gagner des personnalités qui même fait quoi que son pouvoir qui marche, son pouvoir qui faillit, n'a rien pour nous tourner sous déclaration en émission et n'a rien pour nous commenter autour avec magistrat. Mais constat li patent, c'est que tout le monde est unanime pratiquement dans la déclaration. Pour une raison ou pour l'autre, il a avancé que le pouvoir judiciaire là, c'est pour un pouvoir eh ben, qui en santé et gens et le dit en la déclaration. C'est pas le pouvoir judiciaire là, n'a concédé ça, c'est pratiquement tous les trois pouvoirs qui ont un problème par eux. Mais cependant, le pouvoir judiciaire là tellement traîné problème, yo castro li depuis longtemps, et bon rivé dans une dimension côté pratiquement, c'est les mêmes qui sont projecteurs, surtout les nous rivés dans date côté, il a procédé à ouverture du tribunal. Juge Wando Saint-Villiers, la question qui est posée, thématique que nous avons traitée en émission, ça, est-ce que nous avons gagné le retard des droits ou une démocratie qui a marché sans nous pas un pouvoir judiciaire lui-même qui est effectif et qui a bail résultat? Parce que quelque part, le pouvoir judiciaire, c'est pratiquement un baromètre dans la société pour permettre que, ouais, et si effectivement nous avons marché. La première question. Maître Jules Cantave, dans l'intervention de Fèl Jodi, a parlé de mauvaises graines qui gagnaient en dans le pouvoir judiciaire là. Il parlait tout de certification magistrat. Qui ça qui empêche
de pratiquement 10 ans, on attend presque même discours que processus de certification ça et mauvaise graine ça dans le système là nous vivons vraiment éliminer. Bon, et si nous apprenons tout d'abord, première question redéposée, hein, c'est que dans le cadre de construction d'un état de droit, d'une démocratie, ou pas capable de pas renforcer la justice et le pouvoir judiciaire, il vient tourner un pouvoir qui est indispensable. Et ça fait, moi toujours dire que dans tout le rapport de pouvoir, dans le jeu, c'est que véritable pouvoir qui doit être indépendant, c'est le pouvoir judiciaire. Remarquez bien, que ce soit son régime présidentiel ou bien son régime parlementaire, toujours bien en forme de et système d'articulé pour permettre que il y ait de dialogue entre deux pouvoirs ça qui toujours dans rapport de force. Mais pour pouvoir et judiciaire là, lui-même il doit l'autre côté. Il n'est pas dans rapport de force avec le pouvoir exécutif, il n'est pas dans rapport de force avec le pouvoir législatif. Il est son pouvoir de régulation, un pouvoir de sanction. Et que ce soit son monde qui est dans l'exécutif ou bien son monde qui est dans le législatif, et quel que soit le niveau où on est dans la société, hein, quel que soit le secteur qu'on est capable d'appartenir avec lui, depuis où violer les principes, les balises qui sont établies par la société, c'est le pouvoir judiciaire qui peut intervenir pour qu'il soit capable de sanctionner. Donc, état de droit, son état qui est basé sur la loi. Et là, nul n'est au-dessus de la loi. Et tout le monde doit respecter les principes. Et ça fait, donc, dans la construction de l'état de droit, on peut toujours joindre l'indispensable pour que vous renforcez la justice. Donc, malheureusement, donc ici, en Haïti, il y a un pile discours fait sur ça, mais jusqu'à présent, nous ne pouvons pas avoir des pactes de manière alors, concrète. Alors, bon rôle de médiation, c'est le pouvoir judiciaire qui a tout entre le pouvoir politique, qui toujours, j'en ai dit à l'heure, il y a des frictions entre eux. Et là, pratiquement, on a regardé depuis l'entrée dans l'ère démocratique, là, après 87, le pouvoir politique a toujours nous laissé frapper, ou pas jamais joindre le pouvoir judiciaire, ça, qui a une force, ça, justement, pour placer le mot, pour le trancher. C'est toujours nous faire appel à des commissions qui pas prévoit par la Constitution, qui sortit de nulle part, après son paroueyo, et qui vient trancher litige entre les pouvoirs politiques. Et là, parce que nous avons là, dans la question renforcement du pouvoir judiciaire, pour nous permettre justement que le rôle de médiation, ça, que le pouvoir judiciaire arrive à faire. Non, en réalité, le pouvoir judiciaire n'a pas joué un rôle comme médiateur entre deux pouvoirs. Parce que si ce n'est pas vocation par la justice, parce que vocation de la justice, c'est trancher les conflits. Et entre les particuliers au sein de la société, c'est aussi sanctionner les normes d'ordre public telles que les lois d'ordre pénal et sanctionner violation de tout principe qui est obligatoire d'ordre public qui est nécessaire pour bonne marche société. Maintenant, et dans le cadre peut-être des conflits à gagner entre deux pouvoirs politiques, je crois que dans la Constitution 1987, il était prévu la création d'une commission de conciliation. Parce que n'y a pas entrer le pouvoir judiciaire dans un dialogue politique. Et il n'y a pas de vocation. Mais il y a des débats dans la question et création du conseil électoral. Donc, c'est des missions que ont dévolues à CSPJ qui paraît en quelque sorte, et pas qui paraît, qui c'est des missions politiques. Mais remarquez bien, le CSPJ n'est pas le pouvoir judiciaire. Donc le pouvoir judiciaire, c'est exercé à travers les tribunaux. Et quand on dit les tribunaux, ce sont des organes. Donc en substance, ce sont les juges et les commissaires du gouvernement qui exercent le pouvoir judiciaire. Donc CSPJ comme organe d'administration, en principe, moi-même dans lecture PAM et dans lecture en pile dans nos associations professionnelles des magistrats et surtout au niveau de directoire là, nous pensons que et mandé CSPJ pour que les balles attribution pour participer dans la formation conseil électoral et dans la formation par exemple cour constitutionnel, c'est rentrer organe ça dans des groupes politiques parce que ça prend le sujet surtout dans un pays comme Haïti avec en pile tractation et pas grand-rien qui a empêché que soit exécutif ou bien parlement ou bien secteur ou comment il est capable d'influencer les choses dans le choix que CSPJ est capable de faire pour nommer moun dans organe ça, on se cite là. Donc, mais
même si dans la constitution, il y a de telles attributions qui dévoluent à CSPJ, mais ça pour nous comprendre, c'est que le CSPJ, ce n'est pas lui-même qui exerce le pouvoir judiciaire. Mm-hmm. Hein? Ça n'a pas grand impact sur le fonctionnement juge, dans la mesure où c'est juge en juridiction qui exerce le pouvoir judiciaire. C'est un pouvoir qui est plus morcelé. Mm-hmm. Comment? C'est que au niveau de l'exécutif, vous gagnez la présidence, vous gagnez le gouvernement, et c'est qui en substance exerce un pouvoir exécutif là. Certes, vous gagnez l'administration publique qui dépend de l'exécutif là à travers des organes déconcentrés, des organismes autonomes, etc. Et puis, vous gagnez le Parlement qui est bicaméral avec la Chambre des députés, le Sénat, qui quand même regroupé et on a même espace. Et d'ailleurs, parlementaire, pour exercer le pouvoir, c'est en assemblée. Moi-même, et on parlementaire, en principe, seul, il va gagner le café. Tandis que pour le pouvoir judiciaire, chaque juge, yo exerce une parcelle de pouvoir. Lorsque je suis dans le cabinet d'instruction, donc je travaille comme juge d'instruction, et le m'gal en ordonnance au nom de la République, c'est exercer une part du pouvoir c'est judiciaire. C'est même pas ça consensus. Justement, et la loi. Mm-hmm. Et lorsque je suis dans le siège ou bien juge dans le siège, l'exerce une part du pouvoir judiciaire. Et ceci, c'est le cas de figure pour 179 tribunaux de paix, 18 tribunaux de première instance, 5 cours d'appel et la cour de cassation. Mm-hmm. Donc c'est chaque grain juge ou chaque grain commissaire. Ouais, et bien son autorité qui exerçait un part du pouvoir judiciaire, soit en matière de poursuite ou bien en matière de juger ou pour le capable de mener enquête, etc., comme juge d'instruction. Alors, peut-être que ça me dit tout ça, c'est parce que, en fait, et en réalité, la justice n'est pas bien pour l'entrée colle dans quelconque discussion. Dépendamment du système, bien que aux États-Unis, par exemple, la Cour suprême, après les élections, les problèmes dans le pays, les prononcer, c'est les 10 derniers mois, et tout le monde est d'accord. Et en Haïti, la Cour de cassation a gagné une mission. Autrefois, la Cour de cassation a gagné. Le constitutionnel qui prévoit dans la constitution amendée, peut-être qu'il a gagné une mission. Tous les problèmes entre pouvoir politique, il a tranché, et puis tout le monde a coupé, il a permis que au moins nous désamorcer cette crise sans nous pas faire appel à des acteurs extérieurs qui vous viennent polluer l'espace là un peu plus dans même. Autrefois la Cour de cassation a gagné même attribution ça, il a venu retirer avec décret 2015 qui pour sur décret électoral 2015 là, avec amendement et sous constitution commission et spéciale dans la Chambre des députés hein, avec les députés Thierry Tardieu, il a fait des réflexions puis on est est-ce que il y a pour retourner même attribution ça à la Cour de cassation ou pas, mais toujours est-il c'est pas entrer et Cour de cassation bien Cour suprême dans le pays ça en enjeu politique, il y a seulement bah une attribution juridictionnelle mais qui portait son matière politique. Pour nous donner un pouvoir aussi important que le pouvoir judiciaire là, c'est un pouvoir qui est supposé inspirer bonne confiance. Mm-hmm. Donc nettoyage dans le système ça pour permettre que justement à travers certification et à travers sanction pour acteurs qui ont dans chaîne ça, les fondamentales, ça empêche que dans 10 dernières années qui sont passées là, nous pas arriver faire pour nous rétablir confiance avec le public là. Bon, nous pensons que ça c'est une nécessité. Mm-hmm. Parce que moi-même et comme syndicaliste et avant tout un haïtien, citoyen ici, et qui souhaitait que justice pays fonctionne bien, nous croyons que le système est capable d'inspirer confiance à la population. Mais si il y a des suspicions ou bien une perception très forte de la corruption, bon, malheureusement, nous avons un pays côté que la corruption a fait le plein et ça vient même au mode de vie dans le pays, malheureusement. Mais il faut que nous commençons par sanctionner la corruption. Parce que ça, c'est fondamental. Et la justice, c'est organe et unique organe qui l'a pour sanctionner la corruption. Et tout l'autre organe qui gagne, comme ULCC, UCREF, ils ont même là pour faire des enquêtes. Et même si vous avez gagné n'importe qui volonté au niveau de pouvoir exécutif ou bien pouvoir législatif pour sanctionner la corruption, ou pas qu'à faire sans la justice, et c'est la justice qui l'a pour prendre. Justement. Maintenant, cette justice doit aussi inspirer confiance. Travail certification, nous pensons que CSPJ de l'OFL, et c'est un reproche, par exemple, nous faisons avec le CSPJ, qui depuis 6 ans n'est pas arrivé à certifier magistrat qui pas même au nombre d'un millier. Donc, nous avoisinons 800, donc c'est environ 800 magistrats. Maintenant,
pendant que nous faisons reproche ça avec CSPJ, mais il y a de l'autre contrainte tout. Mm-hmm. Parce que, et non, suivant la loi, commission de certification sont commissions mixtes qui composées de représentants du CSPJ et représentants du ministère de la Justice. Et là, pendant un certain temps, le ministère de la Justice n'a jamais nommé de représentants pour venir siéger, pour venir compléter la commission de certification. Mm-hmm. Et deuxième problème qui vient, c'est une contrainte budgétaire. Et dans le budget CSPJ, il n'y a pas prévu un fonds pour la certification. Okay. Certification, c'est sous forme de projet que yo doit faire. Et quand on dit forme un projet, là, on a un rapport directement avec le ministère de la Planification qui doit, conjointement avec le ministère de l'Économie et des Finances, pour voir comment il est capable de dégager des fonds pour permettre à ce que les certifications soient faites. Donc, obstacle, contrainte budgétaire, pas dépendre de CSPJ. Ça nous reproche à cet égard CSPJ, c'est parce qu'il n'est pas arrivé à dégager un leadership valable pour porter l'exécutif à dégager des fonds nécessaires pour et permettre qu'il soit capable de faire travail de certification. Mais par-dessus tout, est-ce qu'il y a une volonté pour ça? Donc nous croyons que je dis, hein, puisque son nécessité, exécutif là, ça qui concerne par rapport avec budget, faut qu'il mette là à la disposition de CSPJ. Et ministère de la Justice, les nommer de monde qui doit al compléter commission de certification. Hein. Et je dis, hein, CSPJ commence avec juridiction de la Croix des Bouquets, juridiction de Port-au-Prince, et a continué. Et nous croyons que dans 3 ans qu'a vienne là, yo, faut que nous finissions avec la question de certification. Ça pourrait permettre à ce que le système arrive épuré, assaini, et ça fait en sorte que nous sommes capables de regagner confiance justiciable dans la justice. Alors, vous pouvez imaginer l'angoisse d'un justiciable, justement, Jean et magistrat Renaud Sévillier Abdilila, l'a décrit ce qui a passé dans le système judiciaire là, qui campait devant un juge, justement, pendant la mois de justice, ou bien pendant la juger pour un acte que le t'a commis, et puis par contre, qui est-ce qui devant, est-ce que son monde qui effectivement a connaissance vraie pour le juger, pour l'attendre, est-ce que son monde qui est corrompu ou pas qui campait devant lui. Donc, angoisse là, non niveau vraiment et extrême pour Mounza qui a demandé justice parce que justement, le système judiciaire et par rapport avec tout ça qui dit et je vous dis à l'audience solennelle là, nous comprenons que eh ben, et citoyens sont capables de vraiment de ces problèmes avec lui parce que justement, il n'est pas inspiré mon confiance 100% parce que lors de vos juges, vous ne qui est souillé, est-ce que son monde qui est crédible ou pas. Nous allons regarder en émission un premier extrait et qui était passé jeudi à un dans l'audience solennelle ça avec le président de la République là qui prend la parole et Jovenel Moïse qui était font état des lieux et puis qui était porté quelques précisions tout autour de cette intervention qui a bien pour faire pour permettre que justement il remembre le pouvoir judiciaire. Nous allons regarder lui puis nous tourner tout de suite pour nous parler de indépendance pouvoir judiciaire parce que son peut-être une thématique qui cliché tellement on a parlé de indépendance pouvoir judiciaire. Je ne vous dis pratiquement moun pas vraiment comme ça ça l'a dit. Nous allons faire le point avec maître Renaud Sévillier autour de ça pour même au cas piquer. Je ne peux vous faire en émission pour la Haïti 360. N'a tourné tout de suite après pour ça. Au début du mois de septembre 2018, mon attention a été attirée sur le fait que, dans une correspondance de ce conseil, le retard accusé dans la nomination des juges engendre souvent des conséquences néfastes sur le fonctionnement du système judiciaire. Vous conviendrez avec moi qu'un contrôle minutieux des dossiers s'avère indispensable puisqu'une erreur glissée dans la nomination est fatale. Elle décrédibilise l'État aux yeux des citoyens et des citoyennes. Les critères et conditions de nomination doivent être rigoureusement respectés. En tant que garant de la bonne marche des institutions, je crois utile de reprendre le libellé de l'alinéa 2 de l'article 75 du décret du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire pour rafraîchir la mémoire de plus d'un. En effet, cet article dispose « Aucun juge n'est admis à prendre les vacances en fin d'année s'il n'a rendu ses décisions sur toutes les affaires en délibéré. Faute par lui de le faire, il sera réputé démissionnaire.
par la stricte application de ce décret, que de démissions on aurait recensées et enregistrées dans le système judiciaire. Que de cas qui seraient entendus et traités. Que d'améliorations aurait-on observé dans le respect des droits des justiciables. Mais l'heure n'est pas appropriée à la démission. Il y a trop de labeur à abattre, trop de chantiers à travailler, trop de problèmes à résoudre, trop de défis à relever, trop d'enjeux à considérer. Parmi ces défis, l'insécurité foncière demeure l'un des principaux. Elle prend aujourd'hui la forme d'une épidémie majeure, d'une pathologie sans remède. Les individus sans foi ni scrupules s'approprient avec trop de facilité et sans aucune inquiétude les biens immobiliers de paisibles citoyens qui les avaient acquis au prix de 1000 sacrifices. Haïti 360, n'a pas les justices avec Maître Rondo Saint-Villiers, juge et juge d'instruction. Mais qui a fait le point avec nous autour de l'audience solennelle ça, qui était lancée en année judiciaire là, et je ne vous dis en pays. Pour guider ces amours, Lionel Edouard, qui, même j'ai avec chaque soir, a continué à faire promotion connaissance utile, connaissance éclairée en émission pour là, pour permettre qu'on ait piqué et pour capable positionner tout par rapport avec Feyo et participer comme ça doit dans la construction de l'avenir en un pays ça, qui c'est une pigou mission, nous baille tête, nous, en un émission ça. Maître Rondo Saint-Villiers, ou t'attends des présidents de la République là, la parler de dossier ou pour gagner plus attention sur vous, c'est vrai, c'est des vœux. Mais maintenant, attention dans le dossier autour, vous voulez dire que nous gagnons un système qui est bien organisé, nous avons des magistrats qui sont responsables, qui prennent temps yo, justement, même pour yo garder le dossier qui soumet devant vous, avec nous capable de dire professionnalisme qui doit caractériser un juge dans le niveau ça. Et jodi a, nous capable de dire que nous arrivons à atteindre le niveau de professionnalisme dans système judiciaire. Alors bien entendu, gon premier, non premier niveau, président parlait de dossier juge bien scruté par rapport avec question de nomination et après il vient prendre question de l'autre question concernée juger les affaires. Si me prend d'abord et nomination juge. Donc c'est rôle CSPJ qui là pour que lorsque un juge mandat arrive à terme pour lui adresser à CSPJ. D'ailleurs, la loi fait obligation, c'est l'article 15, loi portant statut magistrature, là, qui fait obligation à ce que le juge, 6 mois à l'avance, lui écrit CSPJ pour solliciter une nouvelle nomination, ça nous relève au renouvellement de mandat. Maintenant, c'est au CSPJ d'analyser et de voir est-ce que son juge est capable de renouveler le mandat. Est-ce que c'est un juge qui était bien travaillé en juridiction, qui a un bon comportement, etc. Maintenant, à partir du moment où CSPJ a un avis favorable, exécutif là pas capable de bloquer juge ça parce que la constitution et la loi pas bayo obligation pas bayo de telles prérogatives. Ça veut dire tout qu'une partie avec l'idée que CSPJ a pas trompé le tout dans un rapport qu'il soumet sur le juge. Admettons que CSPJ t'a trompé, si au niveau de exécutif là yota gain des informations qui fiables ou bien des suspicions qui paraissent graves contre ton juge, soit autour d'une question de corruption ou bien de l'autre problème qui t'a cap gagné, c'est simple. C'est pas bloquer tout dossier, c'est faire des remarques et en conséquence au CSPJ. C'est demander CSPJ pour que lui diligente une enquête sur tel dossier concernant tel juge et à ce moment-là, ou capable en attendant enquête terminée, il procéder à la nomination de l'autre juge et puis juge ça, il fait enquête sur lui. Mais si il y a preuve de corruption ou bien de faute juge là, il est capable de prendre les mesures qui s'imposent peut-être pour ne pas nommer, mais à défaut, si rien n'est pas
l'État fondé, je nomme. Alors, où rendons-nous compte que ça vaut et nous, éléments que nous n'avons pas l'État là, là, qui était fait de manière préalable, qui n'est pas fait, c'est question de certification, justement. Qui n'est pas fait, qui mène nous là, et qu'on oui, est obligé. Cette certification est importante, mais attendez bien. Est-ce que je vous dis, hein, parce que on est mandat juge, c'est au fur et à mesure, au jour passé, et mandat juge a privé à terme. C'est pas même avec le Parlement, comme quoi, ou bon cérémonie, côté que tout le monde vient au prêter serment, ou partir son législature de 4 ans. C'est pas comme ça. Donc, lorsqu'on mandat de 3 ans ou bien de 7 ans au niveau du tribunal de première instance, par exemple, eh bien, juge pas prêter serment au même moment. Mandat commencer, c'est l'or prêter serment. Et ça va dépendre de période de nomination. Qui vient faire son bagage cyclique lié, c'est au fur et à mesure, jour passé, mois passé, et année passé, il y a un mandat qui a privé à terme, qui nécessite renouvellement. Je dis à par rapport avec quantité de monde, mandat arrivé à terme. Et c'est depuis 2015. Ou gain de dossiers de juge qui mandat ou pas jamais renouvelé 2016 2017 et début 2018 là sous doit après tant de certification tout monde ça yo système n'a pas le bloqué. Maintenant ça on te ka fait c'est que c'est nommé juge ça yo dans la mesure où c'est si bon juge gain preuve de corruption contre lui gain des bagages qui a avéré non donc nous pas commander pour nommer juge ça que au bal sanction que cal mérité mais si c'est pour travail de certification, eh bien c'est simple, nommer juge, et puis pendant juge en fonction, on fait certification. Si qu'on y a là pendant la fonction fait certification, il n'est pas qualifié, soit parce que il n'a pas gagné un diplôme, ou bien bac 1 pas de bon, bac 2 pas de bon, ou bien son faux diplôme de licence, son juge qui a des problèmes de moralité, son juge qui a un problème d'intégrité grave, eh bien qui soit fait, à ce moment-là, on prend mesure que la loi recommande pour ça. Donc, mon pas qu'à bloquer le système, non, pour dire tout autant qu'il n'y a pas certifié magistrat, yo, et ou pas qu'à renouveler le mandat, sinon, ou à priver dans une situation de blocage. Bon, nous, bagay. CSPJ prend 6 ans pour que vous certifiez 45 juges. Alors, pour aller dire que, il y a plus que 100 centaines de dossiers de juges qui prétendent au renouvellement, ou pour aller dire, moi, prétendre c'est leur fin de certifié, et bien, qui ça peut arriver? Le système va le bloquer. Donc, moi-même, je pensais que le chef de l'État, au niveau de l'exécutif, on aurait pu exiger et donner les moyens à ce que le CSPJ puisse continuer avec le travail de la certification, pendant que ou, tout juge qui n'a pas gagné de preuves de corruption ou bien de bagages graves qui vini, parce que ça qui arrivait que pendant le dossier dans l'exécutif, là, puis gagner des informations qui vini. Si on vérifie, eh bien, que demander enquête sur ça. Mais à défaut, c'est continuer à faire le travail de nomination. Donc, alors, pour l'autre aspect concerné, de dossiers, par exemple, insécurité foncière. Mais moi, je me tenais bien. Je ne pas écarter la possibilité côté qu'on capable un magistrat qui est capable de combiner avec des monde de faussaires. Je ne pas écarter la possibilité ça. Mais lorsque tu as un cas comme ça, tu dois sanctionner magistrat ça. Mais problème et sécurité foncière, ce n'est pas juge créé, ce n'est pas le commissaire gouvernement créé. C'est pas bon problème. Non, que vous sanctionnez magistrat dans la vie. Non, ça arrive. Ça arrive souvent. Ça arrive. Bon, et nous devons cheminer vers ça, tout comme nous ne devons pas sanctionner les comptables de deniers publics, les ordonnateurs, les parlementaires, ou bien tout le monde dans le pays qui a fait des autres pays qui vont payer des sanctions. Mais nous, si nous voulons construire le pays, nous voulons avoir un état de droit. Faut que nous commençons à sanctionner les gens qui commettent faute. Donc, et ça m'a appris à dire, c'est que l'insécurité foncière, là, c'est responsabilité exécutive liée. Donc, là, on voit le sous deux juges. Donc, moi-même, autre que juge qui doit entrer dans la combine, ça, moi-même, compte les. Mais, substantiellement, son problème cadastral, son problème, il résout avec la DGI. Où que doit acheter ton terrain, matin, là, 29h, à l'enregistrer, ou l'autre n'est acheté même pas sur terre, ça, là, l'autre bureau DGI, aux environs de midi là l'enregistrer même terre ça alors qu'on pas un système qui automatisé peut avoir pour même configuration ça même délimitation ça et pour même et propriété ça t'es un temps matin bon enregistrement fait donc c'est des problèmes qui doivent résoudre que exécutif là doit renforcer institution bon bureau cadastral qui là il pas et s'il pas régler rien ou gain de problèmes qui résoudre avec la DG et toute entité qui dépend de l'exécutif là d'ailleurs pour y renforcer et prend de nouvelles lois tout pour capable moi-même moins pour que yo pénaliser nèg k'ap monté et de manière illégale sur terrain depuis établi que c'est de manière
manière illégale. Pour que vous pénalisez ça, je dis à son affaire civile liée. Mais c'est des problèmes que l'exécutif là, capable de résoudre avec parlement. Justement. Et, mais ce n'est pas jeter bagarre là sous dos et la justice. De toutes les manières, résoudre le problème passé par synergie entre le pouvoir de l'État, que ce soit le parlement pour faire des lois qui appropriées pour meilleure gestion de l'espace. Au niveau de l'État, pour faire exécuter et le judiciaire, tout pour le prononcer en toute équité. Ouais. Sous, c'est justement ça, Mme dit. Au niveau de la justice, nous avons besoin de juges qui sont responsables, de juges qui, c'est des gens qui sont honnêtes, qui a tranché suivant la loi, pas pour entrer dans la combine. Et là, c'est SPJ lui-même qui a un travail pour le faire. Si qu'on y a un cas, des cas, quand il y a une preuve que le juge entre dans la combine avec des faussaires pour prendre des gens, sanctionnez juste ça. Si c'est le commissaire gouvernement, là encore c'est exécutif, là oui, et pour le ministère de la Justice, sanctionnez les gens ça. Donc c'est ça nous besoin, des autorités judiciaires qui font travail suivant la loi. On va dire les parlementaires, mon sous terre, mon tout. Parlementaires, il faut qu'il y ait sanction. Non, le ça qu'on y a, donc bien entendu, c'est toujours est-il faut qu'on ait un système côté que quel que soit le monde qui fait des ordres là, quel que soit le monde qui viole la loi, il doit sanctionner et suivant ça le faire. Donc c'est ça nos besoins pour juger. Tant que moi-même qui juge, lorsque je suis en siège civil, gagne une dizaine ou vingtaine de dossiers qui viennent dans le siège côté miyage des conflits et côté des actions en revendication de droit de propriété. Mais c'est moi-même qui juge qui crée la situation. Hein? Moi trouve face avec des situations qui existaient et puis moi-même moi là pour me juger. Devoir pas moi-même comme juge, c'est juger suivant la loi, suivant les principes du droit et avec conscience moi pour que me pas prendre l'argent dans mes personnes, pour me pas rendre des décisions de faveur, pour que me pas entrer dans combine, c'est devoir pas, mais c'est pas moi-même qui créateur des situations. Et là c'est exécutif là, qui responsable des ordres insécurité foncière là parce que il pas renforcer l'institution qu'il a pour résoudre problème ça. Très bien. Dans la deuxième partie de l'émission, j'en annonce au livre, faut que nous parlions, parce que c'est une obligation liée de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et nous allons introduire et partir ça avec une question fondamentale. Est-ce que je dis, que ce soit en Haïti, mais un peu partout à travers le monde, capable de gagner un pouvoir judiciaire vraiment indépendant pendant que nous gagnons une justice constitutionnelle qui ne peut pas fonctionner? Est-ce que c'est possible? Bon, et justice constitutionnelle là, avec pouvoir judiciaire, il est vrai qu'il y a un rapport, mais si je prends l'indépendance de la justice en lui-même, l'absence de justice constitutionnelle là pas expliqué dépendance pouvoir judiciaire aujourd'hui. Parce que on a parlé d'une instance constitutionnelle qui a parlé regarder pour est-ce qu'il y a des lois qui t'apprend qui concernent le fonctionnement de la justice, est-ce qu'on est en conformité avec la constitution ou pas. Mais le fait est que aujourd'hui hein, la justice pas indépendante en Haïti pour plusieurs raisons. D'abord, on prend un cadre formel. Le cadre formel, là, côté des spectateurs, c'est ça, nous, il est la loi, c'est les normes, la constitution. Constitution telle que l'agence fonctionnement pouvoir judiciaire, là, eh bien, son pouvoir pas qu'à indépendant. Il est vrai qu'il dit qu'il y a trois pouvoirs indépendants, mais même constitution, ça a tout, lui remet sort. Pouvoir judiciaire là, à exécutif là, non parti et au l'autre côté à parlement. Il me prend d'abord exécutif là. Les commissaires du gouvernement, ils font partie du pouvoir judiciaire. Mais même constitution ça dit que les commissaires du gouvernement sont des agents de l'exécutif dans le judiciaire. Et à tel enseigne, au ministre de justice, il doit décider là, bon, regardez, bon, décider le révoquer en aigle. Il révoque en aigle le commissaire gouvernement, et ceci sans motif, même si la loi dit qu'il faut que tu aies un motif, mais une chose qui est réelle, c'est que généralement, pas de motif dans l'être de révoquer le commissaire gouvernement. Donc, ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est que nomination juge, il dépend du président de la République là. Je veux dire là qui mécanisme pour forcer le président de la République là nommer un juge. Lors même que CSPJ a dit juge à son juge qui intègre, moi j'ai un juge dans le tribunal de première instance de la Cour des Bouquets. Moi-même prends liberté pour me citer non et m'espérer que les papes sont ils dérangés à chaque fois. Donc, quand vous là, parce que non, parce que c'est non, son juge qui c'est capable oser dire c'est l'incarnation de l'intégrité. Un juge sérieux, compétent, qui est honnête, mais depuis mandat fini, depuis quelques temps,
chaque fois que CSPJ voit un dossier, au niveau de l'exécutif, là, on bloque. Donc son juge, quoi des bouquets, qui est André Saint-Isère. Alors, sauf que donc mounio, ça, à fond, nous faisons. Sauf que Mounio Gadou, ou à citer juge qui est honnête, ou pas plus honnête. Non, ça, pas honnête, quitte pour CSPJ faire travail pour sanctionner. Mais nos pays, tant qu'on a été côté tellement gagné qu'au pays, et chargé, et cas de monde qui est malhonnête, qui n'est pas compétent, qui n'ont série de. Viens donner règles là. Mais pas qu'à un juge qui. Mais c'est un juge, quand on voit magistrat Saint-Isère, c'est un juge. Alors, on va m'insister sur ça. C'est un juge dans le plein sens du terme. Et puis, pour que une grande injustice qui fait, parce qu'il va répondre à des sollicitations des hommes politiques, et puis il a pénalisé pour ça. Donc là, comme on pourrait parler d'indépendance de la justice. Et encore, où qu'on est, si l'Assemblée départementale, l'Assemblée municipale, t'es à fonctionner, moi-même qui l'a Wando Saint-Villiers, je ne suis pas juge, non? Il faut que je sois militant politique, oui, pour me juge. Parce que dans la Constitution, elle dit c'est l'Assemblée qui pour dresser liste, juge, pour soumettre. Bon, imaginez, vous avez là, qui quantité de campagne qui a fait, et n'est-ce pas pour construire le pays, qui s'est fait, c'est un militant politique qui va même comprendre même le sens et les vertus de la justice, c'est eux-mêmes qui t'a nommé juge. Et puis nous, l'autre palier encore, et au niveau de la Cour de cassation et de CCA et pratiquement juge dépend de la nomination du Parlement qui a soumettre les listes. Tout à fait. Donc, maintenant, autre que problème ça, et l'opre et pour Cour de cassation, c'est il faut qu'il y ait un sénateur d'ailleurs. Il faut faire campagne auprès du sénateur, oui, pour que vous nommiez comme. Même pas nommer proposer. Pour proposer, oui, justement, pour mettre nom dans la liste qui a acheminé au président de la République. Merci. Donc, moi-même, on juge que je ne vais pas citer non. C'est un président d'un cours d'appel. Monsieur a dit qu'il a courage pour dire même il n'a pas contacté le sénateur. Et comme j'aime son magistrat qui tellement. Pourquoi nous avons des cas, nous avons tellement. Égal à lui-même, il intègre comme magistrat. Regardez, même les nègres la fait magou, il dit écoutez, il faut mettre un gren qui bon la donne pour ne pas trop décrier. Eh bien, ça fait que vous mettez monsieur dans l'islam. Là. Mais à part ça, donc, c'est presque campagne pour faire. Donc là, ça a son problème lié. Et là encore, vous mettez, parce que c'est trois noms par siège, l'arrivée, l'établissement, vous voyez, le président de la République. Il faut que vous encore, oui, pour faire manœuvre, c'est ou même dans trois noms. Alors, mis à part question donc, dépendance là, par rapport avec nomination en dedans et pouvoir judiciaire là, mais il y a un autre problème toujours. Par exemple, la conscience d'être indépendant. Ça, construit à travers l'éducation. Maintenant, des fois, est-ce que magistrat a même conscience qu'il a appartenu à un pouvoir indépendant? Je vais venir sur l'aspect ça. Mais permettre que nous tout et un autre problème qui est fondamental. Ça, la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour interaméricaine des droits de l'homme, et un paquet d'instances qui a réfléchi au niveau international sur question et indépendance de la justice, il est clair sur ça. Sous le pouvoir judiciaire, qui n'a pas de moyens pour le fonctionner, il n'est pas capable de défendre pour le budget, eh bien, son pouvoir qui tributaire pour le budget de l'exécutif et du Parlement. À ce moment-là, on va parler d'indépendance. Non. Ah, qui finance comment c'est l'homme, c'est les noirs sur blanc. C'est son dire là, il est inscrit là dernier. Depuis, ou pas gagner indépendance budgétaire là pour nomination ou dépendre de l'autre pouvoir, pas gagner séparation. Non. Comment le fait? C'est que même quand CSPJ prépare un budget prévisionnel, il dit suivant besoin système, on a besoin X montant. Au niveau du ministère de la Justice, il dit non, on n'est pas capable, c'est ça, on n'est pas capable. Et puis, il est fini. Maintenant, et est-ce que CSPJ est capable de recourir à Parlement pour essayer de changer ça et modifier mon temps? Et bien, là encore, parlementaire, là, il n'y a pas de nous même qui soit bon en retour. Parce que malheureusement, nous avons un Parlement, côté que nous déplaise à des parlementaires qui sont des gens qui sont corrects. Mais il y a des gens qui demandent est-ce que nous avons des commissions. Donc, son réflexe mercantile. Oui, si nous faisons pas, est-ce qu'il y a une commission qui a redonné? Ou du moins, tout, est-ce qu'on nous on juge pour nous ou on juge de paix, est-ce qu'on fait un transfert pour nous? Mais c'est inacceptable. Alors, donc, par rapport, il faudrait que ou t'as gagné
et possibilité comme pouvoir, on m'a parlé de CSPJ, pour que lui participe dans l'élaboration du budget pour ça concerner lui et lui est capable de moyens pour le défendre et pour le budget. Mais là encore, ça demande pour le Parlement de des hommes et des femmes, des citoyens et des citoyennes qui inscrivent nos perspectives pour construire le pays. Mais lorsque tu as tout le bagage, c'est deal pour le faire. Et bon, mais les oui là. Alors, nous allons pour nous garder un autre extrait, surtout avec une déclaration de M. Jules Cantavio. Mais juste avant, je vais répondre à une question, ça, M. Sévillier. Est-ce que conscience d'être indépendant, ça, justement, par un handicap et à exercice fonction du magistrat que nous gagnons en fait, et réponse, c'est qu'on juge ou doué. Sur le plan personnel, sentiment indépendant, il faut gagner conscience ça parce que même lorsque système, l'État indépendant, l'homme des systèmes, l'institution judiciaire, même quand l'État indépendant vis-à-vis de l'exécutif et vis-à-vis du Parlement, vis-à-vis également des organisations de la société civile, c'est une barrière que je vais gagner contre la corruption. Mais si juge là sur le plan personnel, n'est pas indépendant, ça lui pose problème. Et ça fait moi gagner un ouvrage que moi écrit le droit à un procès équitable. Quand m'a parlé de l'indépendance de la justice, me fait ressortir deux types d'indépendance. Indépendance sur le plan institutionnel, c'est indépendance à me parle là de pouvoir, et indépendance sur le plan personnel, c'est soit dire. Le juge, il doit se sentir indépendant. Juge, là, faut que les connaissent son autorité, ils sont titulaires d'une fonction d'État, et ils ne peuvent pas exercer son fonction pour le monde. Lorsque que, moi-même toujours dis, lorsque que c'est un monde qui t'a facilité la nomination, politique. Justement, mais immédiatement, au fin investi de fonction, on devine plus gros gras qui gagne. Parce que ou pas qu'un juge vous reconnaissant. Si vous juge reconnaissant, à partir de ce moment, c'est pas justice ou pas le rendre, c'est service ou pas le rendre, c'est de redevance ou pas le gagner, ou pas foutu impartial. Donc là, et où dit c'est par l'éducation, c'est vrai, c'est par la formation. Et à cet égard, moi interpellé CSPJ, moi interpellé le ministère de la Justice pour qu'à travers l'école de la magistrature, il fait des formations continues, ne t'est-ce que sur l'éthique et la déontologie pour ancrer cet état d'esprit d'indépendance la caille chaque magistrat. Très bien. Sans ne pas perdre du temps, nous allons regarder un extrait avec M. Jules Cantave, président de la Cour de cassation, président CSPJ à tout, et bien, qui t'a permis de gagner celle parle en audience solennelle. Ça, j'aime là son audience solennelle côté en pile parole piqué et mettez parler la dani en écouter déclaration de M. Jules Cantave. Je conviens avec vous qu'il est foncièrement et cruellement injuste de traiter de manière si inique ceux à qui est dévolu la noble mission d'appliquer les lois. En effet, les conditions de travail ne sont pas du tout faciles. La privation, la carence et l'inconfort, l'insécurité ambiante, l'incertitude et le manque d'encadrement font désormais partie du vocabulaire quotidien des magistrats, particulièrement les justes. Ces chevaliers sans peur et sans reproche, livrés à eux-mêmes dans un pays où le grand banditisme, la criminalité, la séquestration tendent malheureusement à devenir une constante. On en parle tant de la nécessité d'assurer le maximum de sécurité aux juges, appelés tous à traiter des dossiers sensibles. La justice est à la fois une valeur, un système de régulation et de règlement des litiges. En tant que valeur, la justice vise à moraliser la République, à créer un environnement propice à la paix, à la recherche du bonheur et au développement économique et social. Les droits et libertés sont bafoués parce que la justice n'a jamais vu son rôle de protecteur. La détention préventive prolongée n'est pas l'apanage d'Haïti. Partout, des efforts sont consentis afin de juger les gens dans un délai raisonnable. En 2016, la Cour suprême du Canada, ayant fait le constat que Barrett Richard Jordan a passé 9 mois en détention préventive, a estimé que tout retard excessif pour le jugement d'un individu incarcéré représente un déni de justice pour les inculpés, les victimes, leurs familles et la population dans son ensemble.
Dans l'arrêt de la Cour suprême, le délai de jugement a été fixé à 18 mois, assorti de la mise en liberté en cas de non-jugement. En Haïti, depuis 20 ans, la question de détention préventive se pose avec acuité. Quel est le plan d'action des autorités judiciaires face à cette problématique? L'insécurité juridique qui caractérise le pays et la corruption sont corollaires font fuir les investisseurs. La propriété privée n'est pas garantie. Quelle perspective offre la justice pour promouvoir l'investissement, la croissance économique et la protection de la propriété privée? Haïti 360, n'a fait diagnostic pouvoir judiciaire pour assurer une émission pour là avec Maître Kondo Sevillier qui a placé Grenzel Pal, qui a fait débat avancé par rapport avec connaissance éclairée la portée pour une émission ça. Explication sérieuse que la portée pour tout sur ce qui a passé en dans pouvoir judiciaire. Nous avons gardé explication Maître Jules Cantave en déclaration lieu et sous et conditions de travail magistrat en système non. Maître Jules Cantave qui parlait un ben de problèmes qui viennent dans cour de cassation, bien que nous battons extrait. Écoutez, pratiquement, c'est 6 juges qui gagnent sous 12 qui t'a supposé nommer. Il parlait tout de mépris qui est pour pouvoir judiciaire là, ne serait-ce en considérant budget que vous et alloué. Donc, il ne pas permettre vraiment que pouvoir arriver, faire travailler comme ça doit. Nous regardons tout, bâtonnier et l'autre avocat, qui c'est coordonnateur, pratiquement tout bâtonnier gagne en un pays. Eh bien, M. Tony Gaston, lui-même qui t'a fait le point et qui dit et péremptoirement que pouvoir judiciaire son pouvoir qui faillit et lui est allé conséquence faillite. Ça qui pratiquement fait investisseur fuit pays à pas venir investir là dedans parce que justement il n'y a pas d'assurance les revenus investis là que investissement ça garanti parce que pas qu'à besoin de justice et ben les problèmes qui a payé de manière équitable et ben permettre que vous même recouvrez droit si vous avez gagné pour t'as perdu ou bien si vous avez menacé. Mais quand nous avons dit qui gens ou même apprécié de déclaration ça. Bon, d'abord, si je prends déclaration et mettre Jules Cantavlan, c'est que effectivement nous avons un pouvoir judiciaire qui dépourvu de tout, que ce soit espace de travail, donc on a un tribunal de paix dans la ville de province, ou à pouvoir côté loger, tribunal de première instance, c'est même bagage, conditions de travail yo, pas bon, ou pas de matériel pour travail, ou pas gagner bon, non pas même question modernisation de la justice, on a besoin de parler de ça, parce que parler de laboratoire scientifique, d'experts, pour mettre à disposition des juges, non, les juges là c'est pratiquement un bout, un plume, un stylo avec un feuille papier. Il n'y a pas gagné du tout comme ou pas gagné des entités qu'il a comme étant des entités d'accompagnement pour la justice. Donc son justice qui en termes de moyens qui presque a fonctionné à l'instar d'une société primitive. Parce que l'État pour qu'on voulait construire l'État de droit, donc pour qu'on voulait renforcer la justice. Et l'organe des budgets nationaux là pour exercice 2017-2018 là, c'est moins de 1% du budget national. Alors que, Mabdo, que dans le budget rectificatif là, ou après, Sénat de la République là, seulement pour employer Sénat, employer yo, et pas sénateur, non? Budget de fonctionnement pour employer Sénat, c'est 2 milliards de goudes. Alors que CSPJ qui gagnait environ 800 juges, 179 tribunaux de paix, 18 tribunaux de première instance, la Cour de cassation, 5 cours d'appel, et avec tout besoin pour doter au matériel de travail, pour bayo et véhicules pour fonctionner, etc., il n'a pas gagné 2 milliards de gouttes. Donc c'est pour montrer que pourquoi il y a une volonté pour construire la justice. Ça. Donc nous, c'est des mondes comme des autorités qui laissent comme ça, et donc nous pas en priorité dans le cadre de fonctionnement de l'État actuel. La justice faillit. Mais attendez bien, l'organe justice qui dépourvue de tout, est-ce qu'on comment capable pour l'efficace? Alors, le problème de la détention préventive prolongée, de la détention préventive que Bâtonnier a soulevé, pas nier que capable de gagner des acteurs dans un système dans qui ont responsabilité là-dedans. Mais c'est avant tout le problème qui est exécutif là, responsable. Qui est-ce qu'il a pour construire le tribunal? C'est exécutif là, à travers le ministère de la Justice. Mais lorsque, par exemple, un grand tribunal comme le tribunal de première instance des Gonaïves, son seul salle d'audience gagne.
Mm-hmm. Une grande juridiction comme ça, oui, qui gagne là dans un cour d'appel, oui. Gonaïve, oui. Donc avec une grande agglomération humaine, au grand seul salle d'audience, ça veut dire que si matin là, ou bien non journée, un siège dans la salle d'audience, ça pratiquement pas un côté encore pour monde prendre l'autre siège, donc pas qu'à juger plusieurs monde par jour. Et ensuite, juge pas même dans cas d'espace de travail, on autre que juge d'instruction, quelque là dans un bureau, gain là dans aussi 3 ou 4 qui dans même bureau, mm-hmm. Mais l'autre juge qui pas dans instruction, il pas un côté pour chita dans un tribunal là pour travailler. Donc voilà un système côté que ou dépourvu de tout ou pas capable efficace. Je dis là problème efficacité justice en boule pour commencer poser. Faut que m'ta wè l'état inscrit la justice dans une commune dans priorité. Alors l'état et l'aime dit l'état moi voulais parler en particulier de exécutif là des pouvoirs politiques parce que par-dessus tout ce sont les politiques qui décident de la bonne marche et de l'orientation à donner au pays. Donc moi-même comme juge, une grande attribution pour me juger, mais le fonctionnement du pays, ça dépend des politiques. Et m'a fini pour me dire que, par exemple, moi, dans la 73e Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République a dit qu'il allait renforcer la justice. Et bien, m'a prétendu, m'a pris le mot, parce que dans le budget, parce qu'on a ces budgets rectificatifs pour conduire, eh bien, le gouvernement, ça pas qu'à, le nouveau gouvernement, pas qu'à continuer pendant longtemps avec le budget, ça. Sous peu, il n'y a pas l'autre budget, m'a regardé qui pourcentage, il y a un budget pour la justice. Maintenant, si les 1% ou bien presque 1 point combien pour cent, m'a dit président, n'a menti, ce discours l'a fait, il n'a pas voulu agir tout bon vrai, il n'a pas voulu renforcement de la justice, parce que la justice doit être un véritable chantier pour moi, tribunal commence à construire, pour moi, commencer à gagner laboratoire scientifique, pour moi, commencer à penser à automatiser les tribunaux. C'est le ça, m'a comprendre que, effectivement, nous voulons renforcer la justice. En attendant, rectification, budget rectifié qui reconduit, eh bien, n'a pas qu'à rendez-vous à voir pour l'autre édition, pour émission pour là. Mais pas oublier, pouvoir l'État, c'est trois, oui. Et c'est réunion tous les trois qui permettent que cette société a fonctionné parce que quel pouvoir, malgré la question d'indépendance qui consacre en toute grande démocratie, et bien, qui est capable de vivre en autarcie. Toujours il y a des rapports qui établissent entre pouvoir. On a l'idée pour permettre que une meilleure articulation et permettre que la société arrive à fonctionner. En attendant que nous fassions le point autour de questions qui sont pertinentes pour qui permettent que nous-mêmes eh fonctionnions plus bien dans la société, ça, surtout par rapport avec jeune d'Abdi, à fonctionnement pouvoir l'État, que ce soit exécutif, législatif, judiciaire, la journée aujourd'hui, qui était au cœur des débats, nous avons rendez-vous à voir pour une prochaine édition. Côté connaissance éclairée, connaissance utile, nous avons toujours gagné une promotion qui a fait en émission pour la Haïti 360. Bye bye tout le monde, Médecin Villiers. Merci. T'as passé ton plaisir.